tout le monde, bienvenue pour une vidéo gaming live. Comme je vous avais promis, on va tester Driver sur PS1. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté quasiment 1,99€ chez Cash, dans un Cash Converter. Il est en bon état, hein, tout est complet. Par contre, le CD est légèrement rayé, donc je vais voir, je ne l'ai pas essayé encore. On va voir ce que ça donne en espérant qu'il passe, et puis on va essayer de vous proposer un petit gameplay sympa. Celui-là, ça fait vraiment un moment que j'y ai pas joué, donc je m'en rappelle plus. Va falloir vraiment que je reprenne les bases. Donc, on va se lancer ça, et puis c'est parti. Non, ça marchera pas parce que j'ai pas branché la Biretelle. C'est les aléas du direct, les gars. Alors, PS1, il est dessus. Il faut que je mette la Biretelle là. Excusez-moi, je perds un peu de temps. Ouais, parce que j'ai des adaptateurs où toutes les prises sont branchées, mais j'ai qu'une seule Biretelle derrière, donc je ne peux pas faire diffuser en deux. Il faut que je change à chaque fois quand vu que j'en ai trop. Sur les petites télés, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Alors. On va mettre un peu de son quand même, hein. Ce sera mieux. Alors, est-ce que tu vas passer, toi? Bon, pour le moment, il a l'air de vouloir passer, c'est cool. Oh putain, elle est vraiment un peu dégueulasse. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc je ne me rappelle plus vraiment. Il va falloir que je reprenne les bases. Alors, je sais juste que la première mission, c'est dans un garage. Enfin, dans un garage souterrain, et c'est assez compliqué. Je sais que j'en avais chié au début. Donc, mais bon, j'étais gamin, donc on verra maintenant ce que ça donne. On va faire un petit gameplay. On va essayer de ne pas perdre trop de temps sur le gameplay. Évitez de vous faire comme la dernière fois, je vous ai fait un petit gameplay de 45 minutes, c'était un peu long. Forcément, il fallait vous expliquer les bases du jeu, que là, j'espère que ça devrait le faire. Alors, veuillez insérer le memory card comportant au moins un bloc libre. Non, on s'en fout. Je m'en fous, j'ai pas l'intention de sauvegarder. Ouais, donc c'est ça, on est dans un parking souterrain. Quel graphique impressionnant. Petite Mustang, c'est sympa ça. Ah. Bon, forcément, c'est pas sa voiture. Hein. Parce que si le mec il force sa voiture, il a un problème. J'ai oublié que les... Ah, ils veulent pas mettre le petit logo Mustang, je pense. Pas demander les droits. Ah, chez lui. Oh, elle est magnifique, la petite Ford là. Je crois qu'il va falloir faire des dérapages dans le machin pour apprendre à conduire. Et par contre, celui-là, je sais pas si elle donne des analogues. Je pense pas, il me semble que la simple manette était suffisante. Le son de la voiture est sympa aussi, c'est vraiment fidèle. Hein? C'est quoi, un flic? Ah ouais, il y a des flics qui font des rondes carrément dans le souterrain. Quoi. Ça saute un
un peu quand même, hein. Ça se voit qu'il a un peu rayé. Hein. D'accord. Ok, tout ça pour ça. Intéressant. Je pense qu'on est un chauffard, à mon avis. Hein. Et que faut semer les flics. Un flic dans la mafia. Qu'est-ce que c'est que ça? Poursuite. Entraînement. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu le code secret, passe du volant. Faire un tour. Option. Nouvelle partie. Bon, je vais pas vous faire une partie en mode libre. Ça sert pas à grand chose. On va se faire une mission ou deux. Ça fait 3 ans que je bosse ici et j'ai pas encore vu meilleur que toi au volant. T'as de la chance, on n'a pas beaucoup d'anciens pilotes de course. D'après les petits voyous de Miami, il y a quelqu'un qui cherche un as du volant pour un gros coup assez risqué. Ce serait même le coup du siècle. Ah, il y a un certain refuge dans l'histoire. On aurait besoin d'informations. Café? Toujours noir, c'est ça? Bon, les grands ponts veulent que ce soit toi. Il faudra que tu bosses en sous-marin. T'inquiète pas, je serai le seul à le savoir. Si quelqu'un d'autre est mis au courant, je te préviendrai. Ah, oui, file-moi ton insigne. Des questions? Ah donc c'est un flic qui n'aime pas les flics. Hein, intéressant. J'espère qu'il va pas y avoir trop de cinématiques. Alors montrez-nous. Alors faire quoi? Pénis, frein à main. 180, 360, slalom. Demi-tour 180. Test de freinage tour. Bon bah burn c'est bon. Putain elle a la niaque sa bagnole. Alors je sais pas trop. Ah non ça. D'accord. Donc je crois que je peux pas utiliser l'analogue. Ah si je peux. Merde, désolé. C'est la même. Merde. Oh, je suis pas doué les gars. Hein. Ouais, faut pas trop accélérer quand même. Hein. Ah merde. Ah, je savais pas que c'était aussi sensible au niveau des dégâts. Mon réalisateur ralenti, sauvé. On va essayer. Bon, on va essayer. Hein. Donc il me semble bien que c'était assez compliqué quand même. Ah donc les dégâts sont importants là-dessus. C'est pas considéré comme un slalom ça. Demi-tour 180. Ah putain, on a beaucoup de tours aussi.
Mais c'est 180 ça. Et tour, tour de quoi? Si j'ai besoin d'aller à l'épicerie du coin, je t'appellerai peut-être. Ok. C'est quoi mon réalisateur? Comme je vous l'ai dit, c'était compliqué. Alors attends, réalisation autant. Avance rapide, avance. Ouais, carrément, tu peux sauvegarder ton truc. On s'en fout. Par contre, test de freinage. C'est pour la voir. Ah, je peux mettre le clignotant. Énorme. Ah voilà, test de freinage. Et tour. Par contre, tour, qu'est-ce qu'ils appellent tour? Merde. Wow, elle n'abuse pas non plus. Du Tokyo Drift, non? Oh merde! Donne-moi une japonaise! Bon bah, c'est assez complexe. Donc, au final, je pense que je vais plutôt proposer une partie simple hein, en ville. Ça va être plus marrant, parce que là, je pense qu'on en a pour trois plombes avant que je comprenne comment on fait chaque truc. Le tour, faut que je comprenne. Par contre, slalom, ça doit être entre les poteaux, mais. Je sais pas comment ils veulent exactement qu'on le fasse. Faire un tour. Et carrément, j'arrive de Miami ou San Francisco. Miami, ça peut être sympa. C'est San Francisco, c'est jour, nuit. Ok, dommage, infraction. Je comprends pas trop. Ça c'est pour reculer. Ça ça doit être le frein. Et ça c'est pour burn. Oh, oh là, les graphismes de dingue. Quand même, quand on a l'habitude des GTA ou autre, ça pique. Oh, laisse-toi tranquille. Infraction. Je vais faire en sens inverse. Oh, allez. Je suis coursé par les flics. Ça fait mal aux yeux quand même les graphiques.
putain, c'est bien long. Ah, y'a des gens, vous les écrasez eux? Ah non, ah, ils courent. Ah merde, ça aurait été marrant. Oh, mais laissez-moi tranquille. Tiens, toi, viens là. Je t'écrase. Merde, je peux pas. Ah, bah t'as. Ah, presque. Je sais pas si on peut vraiment les écraser. Ça pourrait être marrant. Je suis un peu brut, mais. Oh, mais laisse-moi tranquille, toi. Ah, putain, j'y étais presque. Non, je pense que c'est fait exprès, on peut pas les défendre. Toujours. À mon avis, je pense qu'il y en a plus d'un qui a essayé de s'amuser à faire ça. Mais ça marche pas. Oh, l'autre, il coupe à travers le machin. Il est passé à travers le mur. Hein. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas changer de véhicule, tu vois. Ça pourrait être sympa. Oh. C'est quoi ça? Ah, des pancartes. Est-ce qu'on peut détruire les... Ah non, les arbres, on peut pas. Par contre, elles s'allument très vite. Hein. Ah si, ça y est, je peux voir en arrière comme ça. Oh là! Oh là! Ouh, j'ai eu chaud. Je fais beaucoup d'infractions quand même. Hein. Allez, on tourne. Merde. Oh là, c'est un pneu. T'as ruiné la caisse. Bon, bah, je suis mort. Bon, bah, voilà. Je me suis fait niquer. Bon, bah, voilà. Petite vidéo sympa de présentation du jeu. Comme vous pouvez le voir, il est assez compliqué, surtout en mode d'histoire. Hein. La première mission est assez chaude. Je pense qu'il faut quand même bien gérer la voiture, parce que... Le maniement de la voiture est assez dur. Non, ça, elle patine beaucoup. Et c'est pas évident de comprendre avec les touches. Triangle, c'est pour le frein à main. C'est carré, c'est pour la marche arrière. Et rond, c'est pour faire des burns. Mais ouais. Au niveau de dégâts, c'est impressionnant quand même. Comment ça se bouffe aussi vite. Je m'en rappelais plus. C'était aussi sensible au niveau des dégâts. En tout cas, voilà, une petite vidéo test. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Elle n'aura pas duré très longtemps, celle-là. Je vous en ferai voir une autre dans peu de temps. On voit ce qu'on peut faire. Et puis, prochaine vidéo, je pense que ce sera dimanche. Pour un vide-grenier live. Donc, on verra ça. Je vais faire un vide-grenier à côté de chez moi. Bon, je vous présenterai ce que j'ai trouvé en espérant que je trouve des choses intéressantes, surtout dans la peau. Voilà. Hop, je vous laisse un petit peu parce que c'est un peu bruyant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager un maximum. Sur ce, portez-vous bien les gars. Tchou.